Nous voudrions dire merci au Seigneur qui a manifesté sa bonté envers nous. Et il nous a délivrés de la stérilité et de l'envoûtement. Encore des témoignages qui exaltent la puissance du Seigneur Jésus qui délivre les captifs et qui expose les œuvres du diable. Le témoignage du couple Amwakun a été un cas d'école pour les frères sur les âmes de la victoire contre les œuvres de l'ennemi à travers la sorcellerie. Au 13e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, le Seigneur a conduit son serviteur, le pasteur Boniface Meyer, orateur de cette croisade, à exposer les œuvres de la sorcellerie qui ont pour âme principale l'envoûtement. L'envoûtement, quand tu lis dans les encyclopédies, when you read in encyclopedias, bewitchment, c'est le fait de dompter, de subjuguer quelqu'un, de l'assujettir. It is the fact of submitting or taming somebody. Pas de formules incantatoires, pas de prières. Through prayers or formula of incantations. Qui appelle les esprits au secours. That call the spirit in help. Pour venir dompter cette personne, plus soumettre la personne, l'anéantir. In order to tame that person, to submit him. Ou l'exploiter. Or exploit him. Et on utilise des objets qui représentent la personne. And they use objects that represent the person. Ça peut être ton pain qu'on a coupé. It can be a wrapper that they have cut. Ça peut être ta chevelure qu'on a coupée. It can be your hair that have been cut. Ça peut être tes ongles. It can be your nails. Ça peut être ton habit, une chemise, un pantalon. It can be your clothes, trousers. Certains, for some, ne font même pas ça contre toi. Do not even do it against you. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Because they don't know you. On lui dit seulement, prends la robe d'une femme. C'est-à-dire, n'importe quelle femme. They only tell him, take the dress of a woman, any woman. On peut même dire, prends l'eau de cadavre. They can even say, take the water of excrement. Tu pratiques, tu verses sur le chemin. And you practice and you put it on the way. Donc, sur le chemin là, c'est quiconque va passer. On the way, it is anybody that will be passing by. La personne qui pratique a un objectif. The person that practices has an intention. Peut-être que la personne veut gagner des faveurs. Maybe the person wants to get some favors. Et prend ton objet. Il ne te connaît même pas. Il a vu un avis. Il prend. On lui a dit prends quelque chose. He does de not quelqu'un, il prend. Even know you. He just takes an object that belongs to you and he takes. Un collègue, a colleague, peut t'envoûter. Can bewitch you. L'envoûtement, c'est une révélation de 2018. So bewitchment is a revelation of 2018. Et Dieu nous a permis de comprendre ce que Balaam voulait faire. And God allowed us to understand that which Balaam wanted to do. Le premier jour où j'ai reçu la révélation. On the first day when I received the revelation. On était en train de prier. We were praying. Le Seigneur m'a dit. The Lord taught me. Prie que l'envoûtement soit banni. Pray that bewitchment be banned. Et j'ai arrêté les frères. J'ai dit, le Saint-Esprit demande qu'on bannisse les envoûtements. And I stopped the brethren. I said, the Holy Spirit asks that we should ban bewitchment. Et on a dit au nom de Jésus, nous bannissons tout envoûtement. And we say, in the name of Jesus, we ban every bewitchment. Avant de recevoir, une sœur dit qu'il y avait un chien blanc devant elle, en vision, pendant qu'on priait. Before I received that, a sister was saying that there was a white dog before her in a vision while we were praying. Donc le chien blanc était là. Quand j'ai donné le sujet, le chien blanc était là. When I was giving the prayer topic, the white dog was standing there. Quand on a prié ensemble, nous bannissons l'envoûtement. When we prayed together and said we ban bewitchment. Et bam, le chien est devenu plat. And pound, it became flat. On l'a aplati. It became flat. The dog became flat. C'est les prières là, ça marche parce que c'est le Saint-Esprit donne ça. The prayers work because they are revealed by the Holy Spirit. Il y a ce qu'on élève par connaissance. There is that which we lift up or we raise by knowledge. Tu dis, la Bible a dit qu'on peut commander la montagne. Il y a ça, mais il y a ce que l'Esprit dit. Maintenant, là, priez comme ça.
Clairement expliqué par l'homme de Dieu, le phénomène de l'envoûtement est une œuvre démoniaque pratiquée par les sorciers de manière très subtile. Ainsi, sous l'emprise de leur voisine, la sœur Amwakun a été envoûtée à partir des choses qui leur appartiennent. Frappée de paralysie, elle a par la suite contracté une dystocie ovarienne, thème d'obstétrique qui entraîne parfois un accouchement difficile, voire impossible. Ayant souffert de cette situation pendant 6 mois, le couple s'est finalement engagé dans un jeûne de 14 jours en suppliant Dieu de les délivrer. Je veux dire merci au Seigneur de l'envoûtement. Je suis passée à la paralysie toute l'année passée. Nous nous sommes mariés en septembre. Une semaine après le mariage, mon mari a pris la maison. C'est une sœur qui lui a confié la maison. Elle a dit que c'était vide. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas que la voisine d'à côté avait des vues déjà sur monsieur. Amen. Et elle est venue chez moi. Elle m'a dit, maman pasteur, on dit tu es pasteur. J'ai dit oui, je suis pasteur parce que mon mari l'est aussi. Et elle a dit, je veux rentrer dans ta maison pour prendre des nouvelles. Je vais te saluer. Et je l'ai fait asseoir dans le fauteuil. C'était une erreur très grave que je ne devais pas commettre. Je n'avais pas discerné. Chez moi, comme nous sommes de la CMC, nous sommes des pasteurs, nous devons gagner nos voisinages. Mais le Seigneur avait déjà commencé à travailler. Quand elle est rentrée, elle a jeté le coup d'œil sur notre maison. Elle a dit, mais pourquoi on a la même maison et chez toi est plus propre que chez moi? Je lui ai dit, mais c'est parce que j'ai appris à chez la femme de mon faisait disciple. C'était une dame qui m'a beaucoup aimée et j'ai appris à faire les travaux là-bas. Elle a dit, non, elle a plus de 45 ans et elle est revenue encore. Elle dit, ton seau d'eau où tu mets l'eau pour boire là, je vais aller placer la même chose chez moi. Je lui ai dit, ah maman, que ça là, c'est juste un seau dont on met l'eau. Je n'avais pas discerné. Frère, la troisième chose, il y avait une petite fleur dans la maison, j'aime décorer. Et elle dit qu'elle veut ça. J'ai payé à 700, moi j'ai trouvé ça banal, j'ai décollé. En voulant lui donner, mon mari a couru de la chambre. Il a dit non, c'est trop bizarre qu'elle demande encore la fleur. Dis-lui qu'on va payer pour elle. Frère, si je savais, je lui ai dit, maman, on va payer pour toi. Elle a fait, Et puis elle est sortie. Le rhum était déjà une attaque très sérieuse. Et quand elle est partie, j'ai servi le riz avec mon mari pour manger. Frère, dès que j'ai pris la cuillère, le premier coup, il a pris pour lui. Le deuxième coup, la cuillère est tombée. J'ai attrapé mon ventre. Frère, j'ai entendu 2 fois dans mes oreilles, on vient de te piquer avec couteau. Donc j'ai attrapé le ventre, j'ai attrapé les 2 côtés. J'ai dit à mon mari, chérie, j'ai mal, qu'on m'a piqué le couteau. Il m'a dit, mais comment tu sais? Il a dit, ah, j'ai entendu, tu sais que nous sommes des enfants de Dieu. Je pense que c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, bon, lève-toi, allons dans la chambre. Frère, quand j'ai fait le pas, je me suis écroulée. Et il allait chercher le médecin pour venir. Il a fait l'injection sur la cuisse de la fesse. J'ai crié de 15h jusqu'à 17h. Frère, il a jugé. C'était la première fois, mon mari est dans le ministère des délivrances, des brisements des liens. Il a jugé, parlé en langue, fait tout. Frère, zéro. Il me regarde, il dit non, chérie, c'est pas normal, je vais prier. Il a prié avec vie. Frère, on a fini vers 21h. Zéro. Je dors la nuit, je vois ma voisine, la sous-chaise royale. Elle descend avec 2 jeunes filles. Et les filles viennent vers moi. Elles me disent, on est venu terminer le travail qu'on nous a confié. Je leur ai dit, mais quel travail, je ne vous connais pas. Je dors la nuit, je vois ma voisine, la sous-chaise royale. Elle descend avec 2 jeunes filles. Et les filles viennent vers moi. Elles me disent, on est venu terminer le travail qu'on nous a confié. Je lui ai dit, mais quel travail, je ne vous connais pas. Elle dit, c'est qui est-ce qu'on nous a donné le travail? Je dis, au nom de Jésus, qui vous a donné le travail? Parlez. Elles sont restées raides. Elles ont dit, regarde derrière. Je regarde derrière, je vois ma voisine descendre sur une chaise royale jusqu'à terre. Et elle rit. Cette voisine-là, il fallait la maman Lorraine Nangoudou, celle qui m'envoyait à l'hôpital. Et là-bas, le médecin nous dit que ta femme, les comprimés qu'elle boit là, c'est en train de lui créer un problème. Elle allait avoir une insuffisance rénale. Et c'est en train de boucher les 2 trompes pour ne plus qu'elle ait des enfants. À un certain moment, nous avons pris les choses au sérieux. Et quand nous avons vu comment la femme se comportait envers nous, nous avons pris 14 jours de jeûne. Et pendant ces 14 jours, on a sérieusement bombardé. C'est comme ça que j'étais couchée sur le lit. J'ai dit, Seigneur, soit tu me prends aujourd'hui, soit tu me laisses. Mais si tu me laisses, c'est que tu me lèves du lit en même temps. Parce que je ne veux pas que mon mari quitte en voyage, il revient me trouver ici. Frère, quand j'ai dit ça, j'avais lancé juste la parole comme ça. Et j'ai vu une grande main qui s'est étendue sur le lit. Frère, j'ai commencé à trembler, mais ça m'avait donné l'assurance. Et la main avait un objet comme une lame, les couteaux qu'on prend pour opérer au bloc.
et la main a fondu depuis mon ventre. C'était ma première fois. Les frères racontaient ça, tu sais quoi. À vrai dire, moi, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Et la main a fondu depuis le ventre jusqu'à dans l'utérus. Frère, mon ventre, là, quand je porte la bille, ça respire pou, pou, pou. Quand la main a fondu, la main a enlevé une grenouille, gros, la grosse grenouille avec maguia. C'est ce qui était dans mes ovaires et on m'avait déclaré la dystrophie. Frère, quand les ovaires là, ont grossi, quand il a enlevé le crapaud et le maguia, il a soulevé la main. Il m'a dit, il faut que tu regardes que ça sèche jusqu'à la fin. J'avais compris que c'était ça qui allait faire ma guérison. Frère, quand le crapaud a séché, il était gros. Je n'ai jamais vu ça avec le maguia, en train de sécher, sécher. Et quand la vision s'est éteinte, la main a retiré. Ça s'est éteint comme la télévision. Et je me suis levée du lit. Frère, je descends mes pieds, je peux marcher. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à marcher. Jésus-Christ. Jesus Christ. Au Père des miracles. Gloire à Dieu. Miracles. Frère, quand j'ai commencé à marcher, j'ai remarqué que les saignements avaient coupé. Persévérer dans la prière quand l'ennemi récidive dans ses attaques. Cette arme de combat spirituel a propulsé le couple dans la victoire sur l'envoûtement. Et comme fruit palpable de l'exaucement à leur prière, le Seigneur les a délivrés de la stérilité en leur accordant un enfant, une petite fille du nom d'Amoakoun Eloam Eliel, qui signifie tout simplement « L'Éternel, mon Dieu, est Dieu ». Tendez les mains, bénissons l'enfant. Que la grâce de Dieu repose sur toi. May the grace of God be on you. Que sa main soit sur toi. May his hand be on you. Que ton cœur se tourne à Christ dès May le plus bas âge. May your heart turn to Jesus, que to your early age. Que tu appartiennes à l'Éternel et à lui seul. May you belong to the Lord que, forever. Que tes ennemis soient toujours dispersés. May your enemies be scattered always. Qu'ils soient renversés. Overthrown. Qu'ils soient sous tes pieds. Under your foot. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. En somme, nous pouvons affirmer que le combat spirituel est réel. Et parce qu'il est réel, chaque saint est appelé pendant cette croisade à insister dans la prière de combat jusqu'à la victoire totale.